Hey, salut à tous les amis, on se retrouve pour Far Cry New Dawn, j'espère que vous allez bien. Alors qu'on était au pont nord, non, sud, et il faut avancer au pont nord, non, c'est ça, je ne sais plus. On fait une promenade dans la grâce. Ah, j'avoue que ça nous connaît bien tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Ah, c'est un loup, je sais même pas comment dire ça. Un loup à moitié fumé. Bon, pour l'instant il y a du feu, on peut avancer sans hésiter. Il y en a. De toute façon, il faut aller jusqu'aux chiennes portes. Et je pense que là-bas il va falloir faire pareil que ce qu'on a fait en fin de vidéo dans l'épisode précédent. Ouais, là ça sent plus la flamèche, mon gars. Ouais. Merde, attends. On va peut-être dû tracer. Non, mais heureusement, j'ai un bateau qui fait marche arrière. Attends, j'ai pas rêvé, il y a pas de feu. Donc je trace, je pense. Il y a pas de feu, on est d'accord. Bon, allez, on trace. Donc je trace et je pense que je vais devoir allumer un feu là-haut. Ben, c'est ça ou pas? Oh, le problème c'est que je vois pas où ma flèche elle tombe. On va avancer un peu. J'ai de la marge. Le problème c'est que je vois pas du tout où ma flèche elle tombe. Putain, mais t'es sérieux? Comment, genre, il n'y avait pas de physique? Ok, c'est bon, on est safe. C'est bon, il y a des bruits chelous. C'est magique quand même, parce que si vous regardez bien, il y a des genres de petits feux qui s'allument sur le tour en allumant les grands feux. On ne sait pas pourquoi. Allez, on trace. Non, mais en vrai, on a de la marge. Par contre, je sais pas si j'ai pas les flèches infinies. Merde, tu peux pas voir d'ici. Alors, plus de flamèche. Ah ouais, je m'en doutais. On trace encore, on réfléchit pas, on trace. Sans déconner, pour une fois, c'est bien indiqué, donc il n'y a pas arnaque. Volé là-bas, il y avait un genre de feu tricolore. On va s'approcher. Franchement, je vais pas me faire chier, on va s'approcher. J'ai l'impression qu'on va peut-être devoir descendre, il y a un ponton. Ouais, je pense que j'ai pas les flèches infinies, j'ai intérêt de me calmer quand même sur les flèches. Utiliser le bateau, ok. Je ne sais pas où Dieu m'emmène, je ne sais pas où je veux aller. Je ne sais pas. Il y a des loups moitié fumés. Il y a des loups Tchernobyl. Je pense qu'on peut le dire comme ça là. Parce que ça a l'air d'être un mélange de drogue. Quoique des radiations, je sais pas s'il y en a vraiment. Si, c'est bon. Ah, mais voilà le truc qui disparaît vers la gauche. C'est pour ça que je me suis dit mince, fallait tourner, j'ai pas fait gaffe. Bon, il y a encore une centaine de mètres, voilà, il faut encore tracer. C'est moi ou c'est de plus en plus violent? Bon, ça va, ça bouffe pas tant de vie que ça. Oh, y a un portail. Ouais, j'allais dire, c'est safe ici, je vois qu'il y a des flambeaux. Ah oui, en vrai, il faut s'arrêter là. Mais je pense que j'ai raison. Je vais prendre ça.
Je pense qu'il y a possibilité d'avoir des loups. Mais t'es posé la question, est-ce qu'on pourra se faire agresser? Ouais, c'est probable. Ah bah si, il faut enflammer. Pas des flèches, quelque chose à récupérer? Ouais, ok. Des loups fantômes. Combien les loups fantômes? Mais ferme-la! Oh, ce headshot ta mère! Par contre, faudrait peut-être. Ouais, je me suis un peu écarté avec tout ça. Et surtout. Voilà, c'est grave docteur, ben voilà, j'y mets Medikit. C'est où la flamèche? Sur ma vie, j'ai cru que c'était des gens. J'ai cru qu'il y avait un Jean. Calme, j'ai l'ingarnement. Ok, donc maintenant il faut ouvrir. Ah mais comme ça j'ai essayé de paniquer mes flèches, mais j'ai bien fait. Enfin, j'aurais pu prendre les scies, on les aurait décanis, sans déconner. On va pas se mentir. Ah, des flèches, c'est bon, on est plein. Non mais c'est exactement ce que je voulais. Se refaire un peu une petite santé. Donc maintenant il faut ouvrir. Ah, il faut que j'aille là-bas. Là-bas. Bon bah on va traverser le pont. Je pense que ce sera plus simple. Par contre j'ai pas vu s'il y avait des trucs à fouiller. Genre à ramasser. J'avoue que j'ai pas fait gaffe. Oh mais t'es sérieux. Ah si, il y en a. J'imagine qu'il y en a encore 3, non même pas, non, il a pas compté, c'est juste un... Genre c'est un bonus, il était là. Voilà. Rien de grave mon petit. Ok. Bon, on a fouillé, on s'est fait des coups de loup, voilà. Mon cul sur la commode, que j'ai envie de te dire. Normalement on peut aller jusque là-bas, hop. Ah bah non, attends, il y a carotte. On m'a rien ouvert du tout. Si? Attends, il y aurait une deuxième roue? Ah non, là, c'est coincé. Ah, j'imagine qu'il faut le cramer. Logique, vous allez me dire. Molotov, c'est bon, on est dessus. Ah, oui. J'économise une flèche, et oui. Voilà, ça c'est bon. Mais non, j'étais à l'écart. T'es fou pas de moi. Allez, Baccio. Non mais on est bien, on avance. Il y a toujours ce côté mystique. Hein. Dès qu'il y a Joseph dans le colimaçon, c'est pas bon. Ok, donc je me suis refait des flèches pour ça. C'est plutôt cool. Je pense que c'est pensé volontairement hein, quand on fasse le plein. Ah non, c'est la roue qui crame. Ah bah oui, forcément j'ai foutu le feu. Mais genre, pourquoi ça me met du dégât alors qu'il y a des...
Des bougies à flamme noire. Mais c'est quoi ça? Quoi ce bordel? Parce que j'ai foutu le feu à la roue, ça vous plaît pas? Non, c'est étrange ça. Ils m'ont dit de pas quitter le bateau, le feu, je suis. J'avance toujours vers le nord. Mais allez encore! Ah, parce que peut-être ils ont dit le truc, ça te protégeait pas tout le temps, ils avaient pas parlé d'un truc comme ça, c'est pour que tu délires en vrai, et que tu te perdes. Je suis sûr que c'est ça. C'est pour te perturber. C'est la confusion, le jeu tente de nous confuser. C'est le Confucius qui nous dicterait à ses proverbes. Pas où on est, je sais juste qu'on est censé chercher une preuve de sa mort ou non mort. Hein, on est sur un des deux. Oh là là, il n'y a plus de feu. Voici c'est 200 mètres. Oh, ça devrait le faire quand même, le bateau avance vite. Ça va quand même assez vite. Alors, on va finir cané, drogué. Oh, l'effet sur la bougie, sur la droite, là, c'est stylé quand même. Alors je vois qu'il y a une flamme là-bas. Pas vraiment. Enflammée. Alors là. Je crois qu'on est au bout du chemin. Je dis ça, je dis tout. Ouais, c'est bon, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Aya, oh il fait jour! Mais genre le monde est devenu normal. Ouah, c'est chelou, ça veut dire qu'on va pouvoir y aller quand on veut maintenant ici? Eh ouais! Oh la dinguerie du truc! Sanctuaire de Joseph 0 sur 6, ok. Bon bah, on va se faire le sanctuaire. Le sanctuaire de Papy Joseph. Et où c'est par là? Serait dans l'eau, non? Dans l'eau. Quoi, ce délire? Non, là, 34 mètres, comme on dit, c'est en hauteur. Ah oui, d'accord. J'avais oublié, il y avait un petit ponton, et dans le noir, j'avais pas vu qu'il y avait un chemin, ok. Ah, mais c'est bon, c'est moi. Tant pour moi. Tac, on est déjà à deux. Ah ouais, le mec s'était fait une petite cabane et tout, tu crois? Sans déconner. Il est là où je délire. J'ai fait tout ce qu'on attendait de moi. J'ai tout sacrifié. Moi-même. Ma famille. Je ah, le nouveau monde. Au nouveau monde. J'ai cru que tout y serait glorieux. J'avais tort. Au moins il dit qu'il avait tort. Voilà, début de petit pardon. J'ai tellement attendu que quelqu'un arrive. J'ai vite désespéré. Je vais m'étrangler. J'ai déjà vu ton visage. Dieu me l'a montré dans un rêve. Moi, oh, il a moins de cheveux. Je savais que ce serait toi qui viendrais tout arranger. Que tu remettrais les choses dans l'ordre attendu. Je savais que tu apporterais le salut. Salut. Tu viens chercher de l'aide. Je ne peux rien faire. Seul Dieu. Quoi, il m'a dit d'apporter le salut. Mais il a un projet pour toi. J'aime pas trop vos idées. Marche avec moi. Ayao.
Alors je trouve qu'il y a un tout petit peu plus d'histoire que... C'est bien toi. Que dans le 5. En tout cas, on a plus l'impression de suivre une histoire. Parce que c'est un peu mieux... J'ai vu le chemin qu'il nous avait préparé. Mieux narré. Et j'ai su ce que nous devions faire en arrivant au Nouvel Éden. Quand l'humanité est ressortie, j'ai réuni mes fidèles pour partir sur une nouvelle voie. Le rejet de tout ce qui était en lien avec l'ancien monde. La création d'une nouvelle société qui vivrait de la terre et ne prendrait que le strict nécessaire. Tu voulais fumer les capitalistes en gros. La surconsommation et autres. Les années les plus rudes de l'hiver nucléaire m'ont poussé au désespoir. Dans ce désespoir, j'ai trouvé notre salut. Cet arbre. L'Yggdrasil. Son fruit est un don de Dieu qui a donné à ma famille la force de supporter la famine et la maladie. Le Nouvel Éden a prospéré. Nous avons créé un paradis sur Terre. Mais ça n'a pas duré. Les sauterelles y ont mis un terme. Les sauterelles comme les 12 plaies. Ces ravageurs représentent tout ce que Dieu nous a demandé de rejeter. Leur âme est pourrie, corrompue. Mais toi, tu es différente. Je crois que ton âme est digne. Il y a un grizzly, c'est quoi, une peinture chelou? Néandertal. Pas trop bien ça, moi. Dans l'histoire, elle est chelou. Exil, l'arbre de Dragon Quest. Voici toute l'aide dont tu as besoin. Notre don de Dieu. Celui-là même qui a permis à ma famille de survivre. Ah, des pommes. Une belle pomme. Laisse-moi te l'offrir maintenant. Notre miracle. La première fois que j'ai accepté ce don, je me suis retrouvé face à une bête féroce. C'était mon âme. Et à cet instant, j'ai su que pour être digne de ce cadeau de Dieu, je devais tuer cette bête. Je devais purifier mon âme. Car si je ne le faisais pas, ce serait la bête qui me consumerait. L'épreuve de Dieu. Bon, les mecs, ils ont toujours du dentifrice parce qu'ils ont les dents à peu près correctes quand même. Purifier des gens qui habitent dans le No Man's Land. Donc ça sent la baiserie cette histoire. Tue la bête. Non mais on s'en doutait un peu. Sans déconner, on s'en doutait un peu. Si tu réussis, si ton âme est pure, tu es le berger envoyé par Dieu. Et je peux rentrer de mon exil. Notre miracle nous a permis de survivre
Mais ces dons ne sont pas sans condition. Il nourrit ce que contient l'âme. Mais si cette âme est tordue, le miracle t'en fait payer le prix. Par contre, Joseph, c'est vraiment un bon personnage. Je trouve que c'est le meilleur. Il est même mieux que les nouveaux méchants. Où tu ne survivras pas. Pour tout dire. Et c'est bien mieux que les sœurs. Les sœurs, à part venir se la ramener pendant... pour de temps en temps. Ah ouais, j'ai qu'un arc et mes points. Trouver la bête. Mais attends, il y a Raskar Kapak. Je suis pas fou. J'ai pas des armes. Ah si, dans le bidon. Faut viser le bidon. Merde, j'ai raté. Le con, patate. Merde, putain, je mets trop de temps. Ça va, j'ai les flèches infinies. Calme-toi. Wow. Le mec, j'ai voulu recharger mon arc. Juste, j'explique comme ça, mais c'est ce que j'ai essayé de faire derrière. C'est cool. Ils ont changé la flamme direct sans que je demande. Je peux pas le cramer moi leur Yeti là. Leur ourson. Ouais, il était derrière moi ce con. Casse-toi. Je sais pas, je crois qu'il faut allumer tout. Calme-toi, non. Calme-toi, je t'ai dit, je te mets des patates de forain, moi. Vas-y, te casser. Allez, ça revient à la normale. Mais il est où, le ours ? Allez, bim, 4008. Allez, bim, encore un 4008. Ah, j'ai gratté. Oh, c'est juste avant le coup de patte là, ça aurait été beau. Allez, patate dans le ours, moi je te dis. Allez, lève ton gros cul. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? À l'aide! Je ne vois plus rien. Calme-toi, espèce de nounours. Ouais, je sais aussi que je peux le cramer, il disparaît, il me fout la paix. Mais je suis pour la méthode, on essaye d'aller vite, on allume tous les feux. Ah, j'allais dire, j'ai pas allumé le quatrième là. Je m'en auto-baisé. Et où ?
Qu'est-ce qui se passe? Quoi, faut que j'y aille à coups de patate ou quoi? J'en berce ses cœurs. Ah ouais, faut que je mette des patates de forain, ton ours. Allez, comment je t'ai balayé? Ah merde, il y en a un autre. Allez. Je crois que j'ai peur de toi. Allez, déglingueur de grizzly à main nue, moi. C'est pour ça que je suis ici. Il y a ceux qui ne doivent en aucun cas profiter du miracle. Même si je les aime. Même s'ils font partie de ma famille. Le péché est une bête qu'il faut affamer. C'est pas faux. C'est pas faux. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je reviens à la vie. Tu seras la bergère de mon peuple. Suis-moi au Nouvel Éden. On rentre à la maison. Ah, la maison, la tienne. J'espère qu'on nous TP et qu'on se tape pas la route, sérieux. Parce que comme ça, j'aimerais après mon TP à Prosperity, augmenter la base. Je pense que d'ici le prochain épisode, si on peut sortir de tout ça, je me farmerai un peu l'éthanol. Histoire de vous faire profiter. Ah, je laisse. Strict respect de mes règles. On ne doit plus espérer que Joseph nous sauvera. Il ne reviendra jamais. On doit cesser de croire à son retour et... Je... Et fermez ta gueule. Père... Ethan. Père? C'est le père. Il a péché. Où étais-tu? Nos terres sont assiégées, notre peuple est menacé. Tu avais disparu. Alors que nous avions besoin de toi. Pourquoi? Pour que Dieu me parle, mon fils. Pour que Dieu me parle. Mes enfants, je sais que vous avez souffert, et je sais que vous avez peur. Je vous ai laissé seul pendant très longtemps, mais je ne vous ai pas abandonné. Dieu m'a parlé, il m'a montré la voie pour sortir des ténèbres. Nous ne nous cacherons bientôt plus derrière ces murs. Nous ne nous contenterons plus d'espérer que les sauterelles veuillent bien nous laisser en paix. Le moment de nous battre est venu. Car Dieu nous a enfin envoyé son épée. La voici. Je suis pas une épée, oh. Dieu a testé son âme, et elle est juste. Et elle est pure. Et je me tiens là, devant vous, pour témoigner que l'étrangère... est notre berger. Père! Et tous ensemble, il va pas aimer nous ça, irons Ethan. Combattre les hordes massées à nos portes. Et tous ensemble, nous marcherons vers cet avenir que Dieu nous a promis. Non! Tu m'as abandonné. Tu nous as abandonné. Sans un seul mot, sans instruction, me laissant les guider, seul, du mieux que je pouvais. Et là, maintenant, tu es de retour. Il y a une gueule de merde, lui. Du ciel, et tu veux nous guider? C'est moi qui commande ici. Joseph est notre chef. Le Nouvel Éden m'obéit. Nous suivrons tous le Père. Mon fils, je sais que tu as porté un lourd fardeau en mon absence et je te comprends. Mais c'est la volonté de Dieu. Et parfois, il faut savoir sacrifier ce que nous voulons pour répondre au commandement du Seigneur. Qu'est-ce que tu as sacrifié, toi ? Un jour, tu verras la lumière. Je te le promets. Venez. Avançons tous ensemble. Ouais, on a du pain sur la planche. On en est gros. Nous avons du pain sur la planche. Pff,
Parlez au père. Putain, mais elle est pas finie cette mission. J'aurais aimé te parler. Tous mes élus combattent déjà les ravageurs pendant la nuit. Je vais maintenant leur demander de trouver la force de les affronter aussi en plein jour. Ah, on va avoir des renforts. Les amis devront profiter de cette distraction pour agir vite. Ma famille ne pourra pas se battre éternellement. Quant à toi, n'oublie pas le don de Dieu. Ce que tu as vécu jusque-là est un avant-goût de son pouvoir. Ne le gâche pas. Je vais aussi autoriser mon juge à t'accompagner. Il ne parle qu'une seule langue, celle de la violence. Celle de la violence. Avant ouais, non, mais il est classe. Berger, tu dois être notre épée. Va et nettoie cette terre pour tous ceux qui souhaitent y vivre en paix. Ok, il me demande de déglinguer des gens, hein, on note. Ça, c'est fini. Ah, c'est cool, finalement, on a fini nos deux missions. On a débloqué Retour à l'Eden, le juge. C'est cool. Pour un nouveau chant de louange à Joseph. C'était un cueilleur de pêche, mais jamais il ne pêche. C'est le projet de Dieu. Pardon, je vous lis pas tout. Ah, je sais, ça va partir en sucette. Oh, 10 points de talent reçus, gros. Ça, c'est de la... Pourquoi j'ai les trucs qui pop maintenant, je les vois à travers. Prends pas ça, c'est le don de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Non, je comprends pas. Pourquoi d'un coup... Ah ouais, de nouveaux défis. Ah mais c'est peut-être ça qui pop à chaque fois, les bruits que j'entends chelou, non? Ouais, j'ai l'impression en fait, j'ai des trucs qui se mettent tout seul, j'ai un pépèche. Non mais de toute façon, nous on va se quitter ici, je vais retourner à Prosperity de mon côté. Je vais faire l'amélioration de base. Alors je sais pas, je verrai ce que ça lance. Après si on se fait agresser, si c'est une mission ou pas, je verrai. En vidéo, sinon Osef. Je vous le dis sincèrement, on s'en bat. Mais voilà. Donc je vous laisse ici les amis, j'espère que ça vous a plu. On avance tranquillement dans l'histoire. Tiens, avec tout ça, on en est où? Je crois que j'ai fait 15 missions à peu près. Carte. 16. Donc il n'en reste plus que 6 missions en tout. Voilà ce qui nous reste, sachant que là, il n'y a plus rien qui s'est lancé. Ah si. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça, à part les 3 ans. Ah, j'ai un nouvel avant-poste ici, j'avais pas ça, signal. J'ai 3, donc il y en a plus que 10. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah si, j'en avais raté un, j'avais mal compté la dernière fois. Il y en a bien 10. Bah, c'est cool, ça me fait 100 éthanol, ça me fait 300 à prendre déjà en off là. J'ai dit il faut 700 pour les armes. Ouais, je peux vite fait me faire du rang 2 là-dessus. Franchement, avec les armes que j'ai actuellement, hein, je les déboîte. Hein. C'est même pas drôle de les faire en vidéo, je vous jure. Je le dis tout de suite. C'est pas folichon. Hein. Ça va vite à faire, hein, ça peut prendre 5-10 minutes, vraiment je speed, c'est pas super jouasse. Voilà, en tout cas on se quitte ici, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao les amis.